Stéphane Safran, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review, aujourd'hui du set 71-420, Rambi le Rhino. Donc du coup, dans un set qui est donc sous le sous-thème Donkey Kong, dans la gamme Lego Super Mario. Et on commence direct donc avec ce petit set, qui est le premier, donc celui de notre gamme, on va dire, de ce sous-thème. Et donc on va commencer rapidement avec le décor, plutôt que voilà, donc ce Rhino. Donc déjà, plusieurs choses. Déjà, on retrouve cette petite pièce-ci qui est en fait donc le haut de la tête des Toads, mais en gris. Voilà, simplement. Donc ça représente en fait les caisses que vous pouvez notamment voir dans Donkey Kong Country, notamment. Voilà. Et dans l'une, vous avez une balade. Donc voilà, ça encore, ça fait écho au jeu. Et ici, donc, vous avez le rhino. Et justement, ça fait aussi écho au jeu. Ce rhino, en fait, dans mes souvenirs, vous le trouvez. En gros, vous marchez ici. Vous devez passer en dessous. Vous marchez dessus. Vous revenez au-dessus. Et vous foncez dans la caisse. C'est ça dans le jeu. Et donc, du coup, ici, il est là. Donc, vous pouvez mettre Mario, effectivement, dessus. Et d'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Alors, je suis désolé. J'ai que Peach sous la main. Donc. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir mettre Peach dessus. Déjà, il y a la musique qui se lance, donc ça c'est pas mal. Donc du coup, maintenant, on va voir le rhino un petit peu après. Je vais vous montrer la fonctionnalité. Je pense que vous l'avez bien vu. Donc, la musique, voilà. Alors. Voilà, globalement c'est ça qu'il faut faire. Et normalement, allez, voilà. Voilà, donc globalement en fait ce que cette petite tile fait avec ce sticker imposé par Lego, donc c'est un petit code barre que Peach, Luigi ou Mario va pouvoir lire. On va se mettre là-dessus et on va pouvoir le scanner. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que il est utilisable avec avec toutes les figurines interactives. Donc ça c'est pas mal. Donc maintenant on va pouvoir mettre ça comme ça, hein, et on va pouvoir stacker au rideau. Alors pour le coup le rideau était plutôt sympa à monter. Petit point négatif, parce que si j'écarte tout ça et que ça je remets ça droit, voilà, on voit un petit peu l'intérieur, on voit que c'est pas de la bonne couleur à chaque fois. C'est un petit peu dommage, je pense que j'aurais pu au moins recouvrir. Voilà, je pense pas que ça aurait dérangé de mettre au moins une plate au milieu. Bon. Voilà, après c'est pas très très grave, je veux dire, on va pas le regarder d'en dessous. Néanmoins, on a quand même les petites oreilles qui sont représentées, ça c'est cool. On a ici les petits yeux qui sont représentés là aussi et qui sont topographiés. On a la corne au milieu, voilà les truffes. Enfin les truffes. Narines, on va dire ça comme ça ici. Voilà, donc la petite taille, vous l'avez vu. L'espèce de cou comme ça ici pour faire barrage, on va dire. La petite queue qui dépasse, les petites patounes qui sont plutôt sympathique et assez bien réalisé, même si elles sont ultra simples. Et comme dit, vous pouvez mettre donc Peach dessus. Donc voilà un petit peu pour ma review de ce set. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, que je me fais un post commentaire. Et voilà, bah du coup, c'est le champion qui vous dit.